L'objectif d'EuroRépar Car Service, qui est une enseigne mondiale, qui regroupe actuellement plus de 4000 garages dans le monde entier, dans 22 pays, c'est très simple. C'est un objectif de répondre à l'ensemble des attentes de nos clients, quel que soit leur pouvoir d'achat en termes de réparation, d'entretien de véhicules, quel que soit également l'âge de leur véhicule et quelle que soit la marque de leur véhicule. C'est l'objectif d'EuroRépar Car Service. Sur notre objectif ici sur le marché algérien, c'est de couvrir l'ensemble du territoire. Donc, nous avons lancé EuroRépar Car Service en décembre 2017. Actuellement, nous avons une dizaine de garages dans l'Algérois, à l'est, à l'ouest également du pays. Notre ambition est de réaliser une trentaine de garages sur l'année 2019, 60 garages sur l'année 2020, pour arriver en 2021 à plus de 100 garages EuroRépar Car Service dans l'ensemble du territoire. EuroRépar Car Service a vocation à réparer toutes les marques, quelles qu'elles soient. Nous avons dans notre organisation une plateforme pièces de rechange qui est basée à Boufarik, qui est une plateforme qui s'appuie sur Peugeot Algérie, qui va nous permettre de servir l'ensemble du territoire algérien ainsi que l'ensemble des références multimarques que propose l'ancienne EuroRépar Car Service. En clair, quelle que soit la marque de votre véhicule, quel que soit son âge et quel que soit votre pouvoir d'achat, le client algérien va pouvoir être accueilli dans l'ancienne EuroRépar Car Service, pouvoir entretenir son véhicule dans l'ancienne EuroRépar Car Service, mais également faire réparer son véhicule, quelle que soit la marque de son véhicule. Sur le réseau, donc actuellement nous avons une dizaine de garages, le premier objectif c'est de faire en sorte que ces premiers garages s'installent et fonctionnent sur le marché algérien, ce qui est le cas. Sur la fin d'année 2019, nous aurons une trentaine de garages EuroRépar Car Service, en nous basant bien sûr sur le professionnalisme de l'enseigne EuroRépar Car Service, qui est une enseigne qui est connue maintenant dans le monde entier, qui a un certain nombre de process, avec un certain nombre d'équipements, avec un certain nombre de standards. Donc clairement, nous nous appuyons sur le savoir-faire des équipes EuroRépar Car Service pour lancer et aller encore plus loin dans notre développement ici en Algérie, et puis pouvoir faire en sorte que notre premier objectif en soi est que l'ensemble des clients algériens soient satisfaits de la qualité de service rendue par l'ensemble des garages. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, faire en sorte que la notoriété et l'image d'EuroRépar Car Service puissent se développer dans les mois qui viennent. Donc on s'appuiera clairement sur le réseau que nous allons bâtir avec nos standards, avec nos process. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième chose, nous appuierons sur tout le savoir-faire du groupe PSA et bien entendu de la marque Peugeot pour accompagner et faire en sorte qu'on ait non seulement un garage qui puisse réparer et entretenir tous les véhicules de toutes les marques, mais aussi avec tout le professionnalisme qui va avec. Et ça, c'est extrêmement important dans le cadre de notre déploiement. Les garages EuroRépar Car Service vont pouvoir s'appuyer sur plus de 10 000 références de pièces EuroRépar, ce qui va leur permettre, ce qui va nous permettre de délivrer un service de qualité, mais également un service assez large et offrir une offre de service extrêmement large pour l'ensemble des clients algériens. Concernant la garantie en fait des réparations qui sont effectuées dans le garage EuroRépar Car Service, clairement EuroRépar Car Service, c'est une marque du groupe PSA. Donc l'ensemble des interventions et la pièce, les pièces de rechange notamment, seront garanties jusqu'à 3 ans, selon les références, mais jusqu'à 3 ans, ce qui permet de rassurer l'ensemble de notre clientèle. Tout d'abord, il faut savoir que la marque EuroRépar est tout à fait adaptée au marché algérien. Parce que la majorité du parc est réparé en dehors des réseaux des constructeurs. Donc il y a quand même une demande assez importante. Et puis si on analyse l'offre qui existe aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque de réparateurs structurés et rassemblés pour répondre à la demande du client qui est de plus en plus exigeante. Nous avons tout ce qu'il faut pour contaminer ce réseau avec de la qualité et des standards qui puissent quand même satisfaire la demande. En plus, nous avons toute une logistique qui est aujourd'hui opérationnelle à 100%, qui est capable de servir la pièce de rechange à n'importe quel point sur le territoire national, avec un taux de service qui dépasse les 90%. Aujourd'hui, il existe des garagistes qui sont bien équipés, qui ont des ressources humaines importantes et qui ont besoin d'être encadrés et formés.
Et c'est ce que nous proposons à travers notre expérience avec Peugeot Algérie. Nous avons un centre de formation, nous avons des formateurs sur différentes classes de métiers que nous mettons à disposition de ce réseau. Effectivement, lors de recrutement, nous cherchons des garagistes qui sont sérieux, qui ont l'équipement déjà pour éviter d'augmenter l'investissement. Et avec les ressources qu'il faut, à nous de les encadrer, de leur donner de la formation qu'il faut, de leur mettre à leur disposition les standards pour optimiser leurs affaires. Mais tout ça, c'est un accompagnement qui dure dans le temps. Ce n'est pas juste une opération ponctuelle. On fait des opérations d'actualisation, on fait même des formations commerciales, comment recevoir un client, comment lui livrer sa voiture, etc. Donc en fait, nous proposons tout ce que nous savons faire déjà et sur lesquels nous sommes déjà bien notés à travers les indicateurs de qualité. Nous le mettons à disposition de ce réseau.